Dans le domaine de la circulation routière, les panneaux de signalisation sont d'une grande importance tant pour la sécurité que pour réguler efficacement les flux de la circulation. Véritable sentinelle des routes, ils orientent les conducteurs, informent les piétons et guident les cyclistes en leur fournissant des directives précieuses, avertissant des dangers potentiels et indiquant les directions à suivre. Dans cet ordre établi, les panneaux de signalisation s'érigent en garant du bon fonctionnement du réseau routier, préservant l'ordre et la sécurité. Or, force est de constater que la situation en Diaména ne reflète guère cet idéal. En effet, un grand nombre de ces panneaux, censés jouer un rôle central dans la régulation de la circulation, sont aujourd'hui en proie à la défectuosité, laissant les rues de la ville dans une anarchie apparente. Ces panneaux, jadis instruments de prévention et de régulation, se retrouvent relégués au rang de simples ornements urbains dépourvus de leur fonction première. Leur dysfonctionnement engendre une confusion généralisée, imposant aux policiers de la ville une tâche supplémentaire, celle de réguler manuellement la circulation du matin au soir avec une vigilance constante. Cette absence de signalisation fonctionnelle constitue un danger immédiat pour la population, exposée à des risques accrus d'accidents et de malentendus sur la voie publique. Le chaos qui en résulte est non seulement une source de stress pour les usagers, mais également un facteur aggravant pour la sécurité routière dans son ensemble. Chaque intersection sans signalisation adéquate devient un point de conflit potentiel, une zone d'incertitude où la prudence des uns ne récompense pas toujours la témérité des autres. À cette situation déjà précaire s'ajoute un autre fléau, la désinvolture avec laquelle certains citoyens abordent le respect des règles de circulation. Nombreux sont ceux qui ignorent délibérément les feux rouges, traversant les intersections selon leur bon vouloir, sans égard pour les risques encourus. Ces comportements, témoins d'une culture de l'incivisme routier, constituent une menace sérieuse pour l'ordre public. Face à cette double menace, dégradation des infrastructures et incivisme des usagers, il est impératif d'en appeler à la responsabilité des autorités compétentes. Ces dernières se doivent de réparer dans les plus brefs délais les panneaux de signalisation défectueux et de veiller à leur bon fonctionnement. De plus, il est indispensable de faire respecter strictement les règles de circulation en mettant en place des mesures coercitives adaptées pour dissuader les comportements déviants.